Donc, j'ai le plaisir de vous présenter, vous connaissez beaucoup entre vous déjà, le professeur Jean-Jacques Hublin, qui est paléanthropologue et auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes. En particulier, il a proposé que notre espèce serait apparue non pas en Afrique de l'Est il y a 200 000 ans, mais probablement il pourrait y avoir des indices que, en tout cas, une partie de nos ancêtres serait apparue en Afrique du Nord il y a 300 000 ans. Donc, il a joué un rôle pionnier dans le développement aussi de la paléanthropologie virtuelle, qui fait largement appel aux techniques de l'imagerie médicale et industrielle, et à l'informatique pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Et aujourd'hui, Jean-Jacques va nous parler des entités culturelles et entités biologiques dans les temps paléolithiques. Merci beaucoup. Merci Louise de cette introduction et bonjour à tous. Après la pause, je vais vous offrir une petite récréation supplémentaire puisque je vais vous présenter une communication dans laquelle le mot civilisation n'apparaîtra pas, donc ça va vous détendre un petit peu avant la reprise des hostilités. En fait, je voudrais vous faire part de quelques réflexions sur le thème de l'évolution culturelle et de l'évolution biologique de l'homme dans une grande profondeur de temps. Et je rediscuterai certains points qui ont été présentés par mes collègues aujourd'hui. Alors, le premier point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que quand il s'agit de l'homme, il est très difficile de séparer biologie et culture. Fondamentalement, l'évolution humaine, ce qu'on a appelé parfois l'hominisation, c'est un phénomène bioculturel. Et les biologistes et aussi les paléanthropologues, les archéologues, décrivent ce phénomène bioculturel comme une construction de niche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une construction de niche? Eh bien, c'est ce que font certaines espèces. Vous en connaissez des non-humaines, hein, le castor, les termites, des animaux qui modifient leur environnement, qui se créent un environnement auquel ils sont adaptés et qui leur permet de prospérer dans des environnements qui sont parfois difficiles. La raison pour laquelle des hommes que l'on dit modernes ont pu s'adapter aux régions arctiques, ce n'est pas parce qu'ils avaient des adaptations biologiques pour vivre dans des milieux très froids, c'est parce qu'ils savaient créer autour d'eux un micro-environnement à base d'habitat, à base de vêtements, et puis de tout un attirail technique qui leur a permis de coloniser des endroits très inhospitaliers. À cela s'ajoute une adaptation qui est la création de liens sociaux, de liens familiaux, de réseaux sociaux plus ou moins étendus, qui sont un élément majeur de l'adaptation humaine. Alors, cette construction de niche, elle s'est appliquée d'abord dans un environnement relativement restreint sur le plan géographique. Et puis, au cours de l'évolution humaine, et surtout au cours de l'évolution humaine récente, eh bien, cette modification de l'environnement, elle s'est appliquée à des échelles. Elle s'est appliquée à des échelles de plus en plus vastes. Et évidemment, l'agriculture en particulier a joué un rôle très important dans la modification des paysages terrestres, l'urbanisation aussi, et nous sommes tous préoccupés par changement du climat de la planète lié aux activités humaines. Je voudrais souligner le fait que cette modification du climat, qui alarme tant aujourd'hui, est liée à la production de gaz à effet de serre, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans un passé à la fois récent, mais quand même qui se chiffre en millénaires, eh bien, on se rend compte que la production de CO2 et surtout la production de méthane, c'est une production qui augmente depuis plusieurs milliers d'années dans des normes qui sont très différentes de ce qu'on observe normalement. C'est cette autoroute bleue que vous voyez, ce qu'on observe normalement dans un interglaciaire comme celui dans lequel nous nous trouvons. Et on pense que c'est
notamment le développement de l'agriculture au néolithique qui est responsable de ce début d'altération de la composition atmosphérique. Même quand on remonte au-delà du néolithique, dans des périodes où les hommes étaient uniquement des chasseurs-cueilleurs, eh bien, on sait aussi que ces hommes ont été capables d'agir sur l'environnement. Alors, un des effets les plus, j'allais dire, spectaculaires, pour ne pas dire brutaux, de cette action de l'homme, c'est l'extinction d'un certain nombre d'espèces chassées. Mais des chasseurs-cueilleurs utilisent le feu pour modifier leur environnement, pour créer des paysages qui sont plus favorables au gibier qu'ils chassent. C'est quelque chose que l'on observe chez les aborigènes australiens depuis qu'on les connaît. Et on a un certain nombre d'indices qui montrent que dans le paléolithique, on a déjà des pratiques de ce type-là. Ces deux cartes vous montrent la couverture végétale de l'Europe au moment du dernier maximum glaciaire tel que on peut la modéliser à partir de données climatiques, avec des surfaces forestières conséquentes, et vous avez à côté quelque chose qui est plus proche de ce qu'on observe dans la réalité, et cette différence entre les deux, eh bien, on a des raisons de penser que c'est l'activité des chasseurs-cueilleurs qui est derrière. Alors, la construction de niches, ce n'est pas seulement une modification de l'environnement pour se sentir bien, c'est quelque chose qui se traduit aussi par une rétroaction adaptative. Alors, une rétroaction adaptative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les hommes modifient leur environnement, cette action sur l'environnement proche ou lointain, eh bien, a un effet sur leur génome. Un exemple qui a déjà été évoqué tout à l'heure et qui est très souvent cité, c'est le fait qu'on connaît en Europe, mais aussi en Afrique de l'Ouest et au Proche-Orient, des mutations qui ont permis, chez des populations qui pratiquaient l'agriculture et l'élevage du bétail, de continuer à digérer le lait chez les adultes, ce qui n'est pas le cas chez les autres mammifères. Ce qui est intéressant, c'est que ces mutations sont en fait trois mutations différentes, mais qui aboutissent au même résultat, c'est que ces populations continuent à digérer le lait. Et ça a dû représenter un avantage assez important, parce qu'on voit très bien, à partir du début du néolithique, et on connaît assez bien l'histoire de cette mutation en Europe, comment elle s'est répandue dans tout le nord-ouest de l'Europe. Probablement, la rétroaction la plus importante dans la sphère biologique de cette construction de niche, c'est tout ce qu'on associe au développement d'un cerveau grand chez des hominines récents, comme les Homo sapiens les plus récents ou les hommes de Néandertal. Pourquoi ? Parce que ce cerveau très grand, et qui évidemment est essentiel à la construction de niches, à la production de cette technologie et de cette complexité sociale, eh bien, il se traduit par une consommation énergétique très très importante par cet organe. Et on a toute une variété de modifications dans la sphère de la locomotion, dans la sphère de la reproduction, dans la sphère de l'alimentation, qui sont en fait des rétroactions adaptatives à cette construction de niche. En gros, pour s'offrir cet environnement artificiel, il nous faut un gros cerveau. Et pour avoir ce gros cerveau, eh bien, il faut rogner sur notre consommation énergétique, sur des tas d'autres organes. Alors évidemment, la culture, ça n'est pas seulement la production de technologies. Il y a tout cet aspect adaptatif, construction de niches, mais j'ai beaucoup insisté sur la complexité sociale. Et donc, voilà, les voitures ne servent pas uniquement à se déplacer, les vêtements à se protéger du froid, et les recettes de cuisine à se nourrir. Un grand nombre de traits culturels humains sont des traits qui servent en fait à marquer notre identité, marquer qui nous sommes à l'intérieur d'un groupe social, et puis aussi à marquer l'identité de groupe les uns par rapport aux autres. Et évidemment, on peut se poser la question de savoir si, là encore, il ne va pas y avoir une rétroaction dans la sphère biologique.
C'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Évidemment, on a plus de chances de se reproduire avec quelqu'un proche géographiquement, qui parle la même langue, et donc, même si la langue peut se transmettre d'un groupe à un autre, on a vu l'exemple des Bantous tout à l'heure, et comment, dans certains cas, on peut relier population biologique et langue. Dans de nombreux cas, on a des transmissions de langue d'un groupe à l'autre, surtout quand ces langues elles assurent un statut social ou un prestige particulier. Enfin, toujours est-il qu'on a cette différenciation sociale qui a un effet sur la structure génétique des populations. Il y a quelques années, avec un jeune collègue américain qui s'appelle Luc Prémaux, nous avons produit cet article qui est en fait une modélisation adresser une question qui est celle de la structuration, de la différenciation sociale dans le Pléistocène. Alors, dans le Pléistocène lointain, on n'a pas de génome, évidemment, mais ce que nous voulions étudier dans ce travail, c'est montrer que, en fait, lorsqu'on a un seuil de similarité culturelle qui s'établit entre des populations et qui détermine les mouvements d'individus et leur reproduction, eh bien, plus ce seuil s'élève et plus on va avoir une augmentation de la différenciation de ces populations, avec un abaissement de ce que les généticiens appellent la taille de la population effective, qui, en fait, dans notre modèle, varie alors que la taille réelle de la population ne varie pas. Et donc, ça, c'est simplement un effet d'une baisse de variabilité de la population. Alors, quand on se tourne vers le paléolithique, vers la préhistoire, comment est-ce qu'on peut envisager ces différents processus que je viens d'examiner ? Alors, d'abord, du côté de la culture, voilà une diapositive qui vous montre de l'outillage lithique qui correspond à un de ces technocomplexes que Francesco Derico a évoqué ce matin, qui est un technocomplexe du début du Paléolithique supérieur, proto-orignacien et orignacien ancien. Et j'ai voulu vous montrer cette photo avec autre chose que des dessins d'outils pour que vous ayez bien en tête que, en fait, ce à quoi les archéologues qui travaillent dans le paléolithique ont affaire, c'est massivement des outils en pierre taillée. Et donc, ce terme même de technocomplexe signifie bien que ce dont il s'agit, c'est de la production matérielle. Et de la production matérielle, d'ailleurs, qui elle-même, dans sa représentation, est biaisée, parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un objet en silex parvienne jusqu'à nous qu'un objet fabriqué en bois, en cuir, en fibre végétale. Et donc, on a construit tout un concept de ce que les préhistoriens appellent des industries, des assemblages, des technocomplexes, auxquels on a donné des noms, et dont la définition se fonde. Alors, au départ, c'était beaucoup de la typologie, c'est-à-dire qu'on a, surtout dans le paléolithique supérieur, la production d'objets qui sont assez stéréotypés, et donc, les archéologues, les étudiants apprennent à reconnaître tous ces objets et savent attribuer ces assemblages à différentes cases de ces technocomplexes. Et puis, quand on remonte dans le temps, on a toujours des objets qui sont relativement stéréotypés, mais on a aussi tout un tas d'objets qui sont beaucoup plus difficiles à classer sur leur typologie, et en particulier au cours des derniers quart de siècle, on a mis l'accent de plus en plus, non pas sur la typologie de ces objets, mais sur les chaînes opératoires, les techniques qui permettent de les produire. Il est important de replacer la création de ces technocomplexes dans un contexte historique. Si on retourne dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les premiers chercheurs qui ont étudié des sites paléolithiques avaient un problème qui était un problème de chronologie. En fait, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était à classer tous ces sites dans une ligne de temps. Et la première tentative qui a été faite dans ce sens, on la doit
à un paléontologue français qui s'appelait Édouard Lartet. Alors, Édouard Lartet, c'était comme beaucoup d'archéologues et de paléontologues de l'époque, hein, c'était des gens qui, au départ, avaient une formation qui n'était pas spécialement scientifique. Lartet, c'était un avocat. Mais enfin, c'est un avocat qui a été très, très actif dans le domaine de la recherche paléontologique. Et il a fini, d'ailleurs, dans la peau d'un professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle. Et l'idée de Lartet, donc il y avait cette vision paléontologique des choses, au départ, ça a été de se servir d'espèces animales du passé pour créer cette division chronologique. Donc en 1861, il propose un âge du grand ours des cavernes, un âge du mammouth, un âge du renne, un âge des aurochs. Mais dans le fond, on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'on trouvait ces espèces en fait, un petit peu partout dans les gisements paléolithiques. Et celui qui va vraiment jeter les bases de ces technocomplexes tels qu'ils continuent à être utilisés aujourd'hui, c'est Gabriel de Mortillet, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, à des tas de points de vue. Bon, c'est un militant politique d'extrême gauche. Ça vaut le coup de se plonger dans la vie de Gabriel de Mortillet. Gabriel de Mortillet, son idée, ça a été non pas d'utiliser la faune, mais d'utiliser les outils eux-mêmes de ces sites paléolithiques. Et c'est important de souligner que Mortillet, c'était un ingénieur et un géologue. Et donc, on retrouve à nouveau cette idée qu'on va créer des sortes de strates qui vont être définies par ce que les paléontologues appellent un fossile directeur. Alors, Mortillet choisit non pas des espèces animales, mais des types d'outils, un peu comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et il propose une première division des temps préhistoriques en ce qu'il appelle des époques. Et ce terme même d'époque montre bien que la préoccupation, c'est une préoccupation chronologique. Et donc, voilà, il nous parle de l'époque magdalénienne, solutréenne, moustérienne, chéléenne, acheuléenne. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette chronologie, alors qui est très, j'allais dire, frustre d'une certaine façon, peu détaillée, elle a été proposée pour la première fois en 1869. Eh bien, elle propose des termes qui sont toujours utilisés aujourd'hui. C'est-à-dire, les préhistoriens aujourd'hui utilisent toujours les termes de magdalénien, de solutréen, d'acheléen, etc. Alors, on a campé là-dessus pendant très très longtemps, c'est-à-dire sur cette notion que dans le passé, on avait une succession. Alors, c'était un peu ambigu, parce qu'on parlait d'époque, ensuite on a parlé d'industrie, ensuite on est passé à la notion de technocomplexe, et graduellement, il y a une sorte d'ambiguïté qui s'est installée sur le fait qu'on parlait soit de division chronologique, soit en fait d'entité culturelle. Mais enfin, si vous allez sur Internet, j'ai choisi un site parmi d'autres, vous trouverez une multitude de ces frises. Il y en a une du même genre sur le site de l'INRAP, qui est la société qui s'occupe de l'archéologie de sauvetage en France, de l'archéologie préventive. Eh bien, on a toujours cette idée que, dans le passé, on a une succession de ces technocomplexes qui représentent en fait une forme de progrès technique, avec, en regard... Donc c'est vraiment chronologique, on a des fossiles qui sont appelés des fossiles directeurs, comme cette feuille de laurier solutréenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve très souvent dans ces fresques, dans ces frises, eh bien, en face de chaque case, un type humain qui correspond à une forme d'homme fossile du passé. Alors graduellement, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et surtout du dernier quart, on a évolué de plus en plus vers la notion que ces technocomplexes, ces industries, ça représentait plutôt des ensembles culturels, une sorte de population qui avait une tradition. Alors évidemment, il y a une dimension chronologique là-dedans, mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait une distribution chronologique, une distribution géographique de ces entités qui faisait qu'il était difficile de les utiliser uniquement à des fins chronologiques partout.
Par exemple, le magdalénien, dont on a déjà parlé, eh bien, il existe en France, en Allemagne, en Europe centrale, il n'existe pas en Italie. Et en Italie, il y a autre chose qu'on appelle l'épigravétien, au moment où on a du magdalénien en Europe. Et donc, évidemment, de plus en plus, la tentation a été de se dire on va réussir à identifier des groupes ethno-linguistiques dans le passé. Et ces groupes ethno-linguistiques ils vont être caractérisés par ces fameux technocomplexes. Alors, mon collègue Francesco, ce matin, vous a fort brillamment expliqué qu'en fait, le problème de ces technocomplexes, c'est qu'on ne sait pas très bien qui les a fabriqués. Il y a une vraie possibilité, je vais vous en montrer un exemple ou deux, que des groupes biologiquement distincts, en fait, produisent les mêmes choses pour... simplement parce qu'une technique peut se diffuser d'un groupe à un autre. Différentes populations qui vivent dans une certaine aire géographique peuvent partager, dans le fond, une certaine culture, entre guillemets. Est-ce dire qu'on n'a pas du tout accès à ces groupes ethno-linguistiques du passé ? Je vous remontre cette diapositive que vous avez vue tout à l'heure. Eh bien, en fait... je pense qu'on est sur la voie de résoudre ce problème-là. Alors, peut-être pas avec cette culture matérielle faite d'outils de silex, mais en utilisant d'autres aspects du comportement humain, et en particulier les objets qui ont une valeur symbolique et qui semblent se comporter beaucoup plus comme des marqueurs d'identité que tout ce qui est dans la sphère de la production technique. On a de nombreux exemples. Celui-là, c'est un exemple qui est vraiment très, très beau, je dirais. On vous l'a déjà expliqué. Dans l'aire de distribution de l'Aurignacien, on trouve une représentation de ces objets de parure qui, dans le fond, montre bien qu'il s'agit de choix culturels de ces populations. Ce ne sont pas des matériaux qui sont plus facilement disponibles dans une région que dans une autre, qui sont sélectionnés. Non, c'est véritablement un choix qui permet donc d'identifier ces populations. Alors la question qui se pose, c'est quand on remonte dans le passé, est-ce qu'on continue à voir de la différenciation culturelle comme celle que l'on reconnaît dans des périodes récentes de la préhistoire comme cet Aurignacien ? Quand on remonte, j'allais dire, une case plus loin dans le passé, dans ce qu'on appelle en Afrique le Middle Stone Age, hein, donc on parle de quelque chose qui est en gros entre 300 000 ans et 40 000 ans, eh bien on voit se développer, alors dans la sphère technique au moins, des différences régionales qu'on a un peu de mal à expliquer par autre chose que, dans le fond, une séparation de ces populations, une sorte de dérive qui leur fait produire des objets et des techniques qui varient d'une région à une autre. En Europe, on a quelque chose qui est un petit peu similaire dans le monde des Néandertaliens. On a des entités, alors encore une fois, malheureusement, c'est fondé sur la technologie, sur la technique et sur la production d'objets, mais on a, dans la fin des temps du paléolithique moyen en Europe occidentale, une production d'objets bifaciaux qui ont une certaine, extension géographique assez caractérisée. Alors, vous vous souvenez, je vous ai montré un de ces bifaces moustériens tout à l'heure, et à côté, il y avait des éclats qui étaient déjà beaucoup moins faciles à identifier sur le plan typologique, qui n'étaient pas très stéréotypés. Quand on remonte dans le temps, il va y avoir constamment la question qui se pose de la signification de ces objets, de la façon dont on les interprète. Et par exemple, pour ce groupe de ce Keiler-Messer-Gruppen qu'on a en Allemagne, eh bien, il y a des chercheurs qui suggèrent qu'en fait, les mêmes groupes humains sont passés de la production d'un type d'industrie à une autre au cours de cycles qui peuvent être des cycles saisonniers, par exemple, avec d'ailleurs des réductions progressives de certains outils qui, pour les préhistoriens, les font passer d'une catégorie dans une autre, alors que ce sont toujours les mêmes objets qui sont simplement réaffûtés, réutilisés. Cette notion de différenciation culturelle, dont on a vu qu'elle a une certaine importance dans les temps récents de la préhistoire, mais elle s'évanouit quand on remonte très loin dans le passé,
elle suscite des discussions autour de plusieurs concepts, en particulier un concept très important qui est celui de ce qu'on appelle la culture cumulative. La culture cumulative, c'est le fait que dans les sociétés humaines, en tout cas les sociétés humaines récentes, eh bien, pour fabriquer des pneus de voiture, pour imaginer un nouveau type de pneu de voiture, il ne faut pas que chaque individu commence par inventer la roue et toute la succession de roues qui ont pu exister au cours du passé. Donc chaque individu qui naît dans une société humaine récente, eh bien, bénéficier des acquis de tous ceux qui l'ont précédé. Et donc chaque génération peut ajouter des innovations, et ces innovations s'accumulent assez rapidement, et c'est un moteur très puissant de cette différenciation sociale. Pourquoi ? Parce que s'ajoutent à des aspects qui sont des aspects d'adaptation technique pure et simple, des aspects aussi de marquage du statut identitaire. Alors, qu'en est-il des populations très anciennes, des populations du passé, des chimpanzés dont on a parlé tout à l'heure ? Alors là, certains pensent qu'il y a déjà une forme très embryonnaire de culture cumulative chez les chimpanzés. C'est rejeté par d'autres auteurs. Le fait est que, disons, l'innovation chez les chimpanzés, c'est une innovation qui est très, très, très lente. Et récemment, un chercheur qui s'appelle Claudio Tenni a proposé un modèle qu'il appelle, c'est de l'anglais, Zone of Latent, il y a un S en trop, Solutions, l'hypothèse de la zone de solution latente. C'est l'idée qu'en fait, génétiquement, les individus ont certaines capacités cognitives qui leur permettent, dans un certain environnement, de répondre à des situations en refaisant un petit peu toujours la même chose. Donc, vous voyez, on est très, très loin de la culture cumulative. Là, on a affaire à une sorte de, j'allais dire, d'invention individuelle. Alors, invention individuelle qui n'est pas tout à fait, indépendante du groupe social, parce que dans ce modèle de zone de solution latente, eh bien, il y a la notion que l'apprentissage social, l'imitation, joue un rôle. Et donc, il y a la porte ouverte, si je peux dire, pour des formes de culture, chimpanzés, par exemple, mais avec un taux d'innovation très, très bas, voire inexistant. Et entre les deux, eh bien, il y a des tas de débats. Et récemment, il y a eu pas mal de littérature produite sur la notion que, même dans le paléolithique ancien, eh bien, on a des objets, ces bifaces que je vous ai déjà montrées, eh bien, qui, dans le fond, évoluent très, très lentement. Ces bifaces, on les connaît pendant plus d'un million, même un million et demi d'années dans le paléolithique. Alors, ils ont changé au cours du temps, mais ils ont changé très, très lentement. Et certains auteurs, alors c'est assez provocateur, mais on dit, mais dans le fond, peut-être que la production de ces outils-là, eh bien, ça s'explique par cette hypothèse de la zone de solution latente. Voilà, les cigognes font des nids, non pas parce qu'elles ont, on leur a appris à faire des nids, mais parce que placées dans une certaine, j'allais dire, dans un certain environnement, dans certaines conditions, eh bien, naturellement, elles vont être programmées pour produire ces nids. Alors, qu'en est-il de la différenciation biologique ? Vous vous souvenez de la frise que je vous ai montrée tout à l'heure ? Alors, cette frise, évidemment, elle est complètement, caduque quand on regarde cet arbre des espèces dominines qu'on connaît au cours du dernier million d'années. Donc, ce que vous voyez là, c'est une, qu'il n'y a pas une sorte de succession linéaire d'espèces, mais en fait un buissonnement avec, au cours du dernier demi-million d'années notamment, une multiplication de formes que les paléontologues considèrent comme des espèces. On reviendra un petit peu sur cette notion tout à l'heure. Et en particulier, voilà nos hommes de Néandertal, voilà un groupe qui est un groupe frère des Néandertaliens, les Denisoviens, d'autres groupes que je ne vais pas évoquer. Et vous voyez qu'une seule de ces espèces est arrivée jusque au temps présent, et le scénario, alors très très simplifié, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, eh bien, c'est que ces espèces ont existé au cours du Pléistocène moyen dans différentes régions de l'Ancien Monde, mais qu'à un moment donné,
la forme africaine, qui est ancestrale de l'homme actuel, eh bien, est sortie d'Afrique et a remplacé et en partie absorbé les autres hominines qui étaient sur son chemin. Et puis plus tard, elle est allée coloniser des terres où il n'y avait jamais eu d'hominines. Alors cette sortie d'Afrique, on a évoqué la date de 70 000 ans tout à l'heure, ou 50 000 ans, ou 60 000 ans. On soupçonne maintenant que, en fait, c'est quelque chose de plus compliqué que ça. Il y a eu probablement plus qu'une sortie d'Afrique. Est-ce qu'on peut réconcilier ces idées qu'on a sur les groupes qui ont existé dans le passé avec ce que l'on sait de la diversité culturelle? Alors, c'est très compliqué. Pour les périodes récentes, on a la paléogénétique, et donc on a commencé pour le paléolithique supérieur à reconnaître des lignées humaines, et on a une petite idée de ce qui se passe dans le paléolithique supérieur. Je pense qu'à long terme, on arrivera à connecter peut-être les groupes ethnolinguistiques qui ont été évoqués pour l'Aurignacien avec certaines de ces lignées, mais on sait notamment, c'est un travail que nous avons publié il n'y a pas très longtemps, que les premiers Homo sapiens qui arrivent en Europe dans les moyennes latitudes, eh ben, apparemment, n'ont laissé aucune descendance et ils ont été remplacés par des groupes qui sont venus plus tard. On vous a parlé de toutes ces vagues de peuplement. Dans les populations vivant en Europe aujourd'hui, ben, il reste à peu près 25%, quelque chose comme ça, d'ADN qui est hérité de certains de ces chasseurs-cueilleurs. Donc, on peut être raisonnablement optimiste pour la préhistoire récente. Plus près de nous encore, j'ai supprimé ma diapositive sur le néolithique. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà été présentée, mais on voit très bien comment la diffusion du néolithique en Europe peut être comparée en termes génétiques et en termes comportementaux, en termes culturels. Donc l'image que l'on a, c'est en fait un vrai mouvement de population en Europe orientale, dans le couloir danubien. Et puis plus on va vers l'ouest, et plus c'est la diffusion au sein des groupes de chasseurs-cueilleurs de ce comportement de nouveau. Et ce qu'on nous a montré aussi, ces travaux de Solange Rigaud sur les objets de parure, montrent les effets que ça a sur la culture et sur la culture matérielle. C'est-à-dire qu'en gros, quand ce sont des migrants qui arrivent, ils arrivent avec un package complet. Quand ce sont des gens qui sont assimilés et qui adoptent certains aspects économiques ou techniques, eh bien, ils n'absorbent que la culture matérielle qui va avec. Mais ils conservent, par exemple, les objets de parure, les objets symboliques qui sont des marqueurs identitaires ancestraux. Alors, quand on remonte plus loin dans le temps, ça se complique. On a de nombreux exemples, mais un exemple qui a été discuté par des générations de préhistoriens, c'est celui du Proche-Orient, du Levant. Donc au Levant, on a à la fois des hommes de Néandertal et des Homo sapiens, alors pas exactement en même temps, mais les deux groupes se sont succédés. Alors quand on parle de cette, entre guillemets, coexistence des deux espèces au Proche-Orient, il faut bien savoir de ce dont on parle, hein, c'est-à-dire que les hommes de Néandertal, qui sont plutôt au nord, le site le plus méridional que l'on ait trouvé en Israël, il est à peu près à 50 km au sud du site où on trouve l'Homo sapiens ancien le plus septentrional. Donc ce n'est pas une énorme zone de recouvrement pour l'instant, c'est plutôt une sorte de zone frontière où il y a un balancement. Et dans cette zone, eh bien, on trouve un paléolithique moyen qu'il est difficile de séparer en entités correspondant à ces groupes qu'on considère pourtant comme des espèces différentes. Et donc, il semble bien que ces groupes-là, dans cette région-là, pour une période de temps assez longue, en gros, en tout cas en termes de production matérielle, ils aient produit plus ou moins les mêmes choses. Et ça, évidemment, ça pose la question des relations entre groupes et des relations aussi bien sur le plan biologique que sur le plan comportemental. Alors, sur le plan biologique, ça fait longtemps que l'on pense que cette zone, c'est probablement une zone d'hybridation. C'est quelque chose déjà, j'allais dire, dans les années 50, on en parlait, enfin 50 du XXe siècle, on en parlait déjà. On a maintenant des données, on a parlé de cette introgression d'ADN néandertalien
dans le génome des non-africains actuels aux alentours de 60 000 ans, donc c'est probablement un effet de cette histoire-là. Mais vous allez voir qu'on a d'autres indices qui montrent qu'on a donc localement probablement des mélanges de populations et donc la diffusion possible de techniques d'innovation d'un groupe à l'autre. Parce que de la même façon qu'une mutation génétique qui est très favorable, dès qu'il y a du flux génique entre deux populations, eh bien elle va passer d'un groupe à l'autre et elle va se diffuser partout, eh bien on a un peu le même phénomène avec des aspects techniques. Une question qui a très longtemps et qui continue à agiter les préhistoriens, ces bifaces que je vous ai déjà montrées apparaissent en Afrique de l'Est il y a à peu près 1,8 million. Ils arrivent en Europe il y a seulement 700 000 ans. Or, vous vous souvenez que notre sortie d'Afrique des Homo sapiens, c'est quelque chose de beaucoup plus récent que ça. On parle de 70 000 ans ou 60 000 ans pour la sortie principale. Et en Europe, en plus de ces bifaces, on va trouver plus tard une production bien particulière d'éclats, ce qu'on appelle le débitage levallois, qui est quelque chose qu'on connaît aussi au Proche-Orient et en Afrique. Et donc, en gros, la question qui s'est posée depuis très longtemps, c'est est-ce qu'on peut mettre en relation ces changements culturels avec les mouvements de population ou, au contraire, avec quelque chose que l'on n'a pas encore évoqué, mais qui est probablement très important, de la convergence, c'est-à-dire le fait que des groupes différents soient conduits à produire le même genre de choses. Alors, ce n'est pas tout à fait l'hypothèse de la zone de solution latente, mais c'est le fait que peut-être, par exemple, la production d'éclats levallois, c'est quelque chose qui est inclus dans le package de production des bifaces. Alors, pour continuer un petit peu sur cette thématique des échanges entre groupes, je voudrais souligner un fait, c'est que on a aujourd'hui de nombreux indices d'introgression d'ADN qui viennent des néandertaliens vers les Homo sapiens modernes. On a aussi des échanges du même genre entre d'autres groupes. Je vous épargne les détails de tous ces flux géniques. Mais récemment, on s'est rendu compte que ces échanges sont des échanges qui se sont produits bien avant cette sortie d'Afrique de 60 000 ans ou 70 000 ans. Et en particulier, on a montré qu'une partie de l'ADN des Néandertaliens, ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial qui est transmis uniquement par les mères, et le chromosome Y, eh bien, avait été hérité de populations africaines bien avant cette sortie et ce remplacement, je dirais, principal. Et donc ça, ce que ça évoque pour moi, c'est le fait que toutes les cartes qu'on vous montre de l'Afrique avec des populations, des gènes, sont généralement des cartes qui sont tronquées dans leur partie, je dirais, inférieure. C'est-à-dire que c'est l'Afrique subsaharienne qui est massivement représentée. Pourquoi ? Parce que le Sahara ne porte plus de population aujourd'hui. Mais ce Sahara, il a été régulièrement verdi au cours du Pléistocène. Et on pense qu'il y a 200 000 ans, il y a 300 000 ans, peut-être même avant, il y a déjà eu des contacts entre ces populations néandertaliennes et ces populations de sapiens. Alors, on reste toujours, je voudrais finir avec le remplacement des Néandertaliens en Europe par des sapiens. On a reconnu en Europe tout un tas de technocomplexes qu'on appelle des technocomplexes de transition. C'est vrai que l'interprétation que l'on fait de ces technocomplexes, généralement, est une interprétation de façon assez binaire. Les auteurs se bagarrent pour savoir si les Néandertaliens ou des Homo sapiens ont produit l'un ou l'autre. Et je pense que, compte tenu de ce que l'on a appris sur ces introgressions, eh bien, il faut sérieusement considérer le fait qu'on a de temps en temps affaire à des populations d'hybrides ou même à des populations mixtes. On a, de fait, des Homo sapiens en Europe, identifiés dans au moins deux sites maintenant, dans le génome duquel on peut détecter la présence d'ADN néandertalien acquis juste quelques générations auparavant. Et donc,
l'image que l'on a de ce remplacement en Europe, c'est un remplacement long qui date, qui court sur plusieurs milliers d'années, probablement quelque chose comme 6000 ans, avec énormément, j'allais dire, de temps pour des interactions entre toutes ces populations, des interactions qui peuvent être biologiques, mais aussi des interactions qui peuvent être culturelles. Les derniers Néandertaliens que l'on connaît en Europe occidentale, qui datent de plusieurs milliers d'années après l'arrivée des premiers sapiens, eh bien, fabriquent des objets qui ressemblent beaucoup à ce qu'on va trouver associé à ces Homo sapiens dans le début du Paléolithique supérieur. Alors, pour clore ma présentation, je voudrais juste commenter cette citation de Paul Rivet. L'humanité est un tout indivisible, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Alors, c'est une phrase que vous trouverez un petit peu partout au Musée de l'Homme, si vous allez le visiter. Paul Rivet, c'est le fondateur du Musée de l'Homme. C'est une proposition très, très humaniste on ne peut qu'y souscrire. Un tout indivisible dans l'espace présent, oui. Il y a une seule espèce humaine, elle est relativement homogène, elle a une origine commune récente. Dans le temps, évidemment, on est lié à tout un tas d'ancêtres qui nous ont précédés. Mais je dois dire que cette seconde partie de la proposition me dérange en tant qu'évolutionniste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle porte insérée à l'intérieur une notion qui est une notion judéo-chrétienne qui n'est pas que judéo-chrétienne, mais il se trouve que la préhistoire et la paléanthropologie humaine sont développées dans le monde judéo-chrétien, qui est une notion essentialiste, c'est-à-dire qu'il y a les hommes et le reste de la nature. Et ces hommes, dans le fond, ils ont un point d'apparition dans le temps. Alors, dans la Bible, c'est tout à fait clair, mais je dois dire, cette notion essentialiste, elle a empoisonné, et elle continue à empoisonner, la paléanthropologie moderne. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, inconsciemment, je pense, beaucoup des collègues qui m'ont précédé, mais peut-être encore certains qui travaillent aujourd'hui, dans le fond, recherchent une sorte de point particulier dans le passé où on aurait des hommes véritables qui apparaîtraient. Ces hommes véritables, ils seraient comme nous, l'évolution s'arrêterait quasiment, et en dessous de ce point-là, on serait dans l'infra-humain. Eh bien, cette notion, c'est une notion que je regrette, que je n'accepte pas. Les hommes que l'on dit modernes, et je trouve cette expression très malheureuse, qui vivaient il y a 100 000 ans, ou 200 000 ans, ou 300 000 ans, eh bien, ils n'étaient modernes ni anatomiquement, ni sur le plan du comportement, et ils étaient différents de nous. Je vous remercie pour votre attention.